ça commence à être plus huilé, on commence à être de plus en plus en forme physiquement. Donc normalement, techniquement, on devrait sentir une différence. On va affronter une équipe qui est quand même un niveau au-dessus de nous. Il y a une concurrence naturelle qui est en train de se mettre en place. Ça booste tout le monde à donner le meilleur de soi-même. Clairement, on compte sur ça pour franchir un palier. Avec les quelques recrues là qui nous renforcent, l'implication est encore meilleure et je pense que c'est quelque chose qui peut payer à moyen-long terme. On relâche, 4-5 de suite, on relâche. On a cette capacité de faire mal à l'adversaire, on marque toujours 2 ou 3 buts. D'accord ? Il faut le respecter, ça. Mais attention, c'est l'équipe qui va un peu plus vite, qui a beaucoup de qualités offensives aussi. Donc on doit savoir faire le dos rond. On est vraiment à l'approche du championnat. C'est un gros match à Bischofsheim. Il nous reste cette rencontre aujourd'hui contre Aubernais, qui est une R3, qui est une équipe qui va vite, qui sait jouer au ballon. C'est ce qu'il nous faut aussi un petit peu dans la préparation. Et bon match à vous, c'est parti. Faites les efforts, si ça dure que 30 minutes, c'est bien aussi. Mais je veux 30 minutes ou 45 ou 60 de certains de mes joueurs à fond. Parlez-vous, communiquez, ça nous fait défaut et ça m'embête. La communication. Ouais, GG, ben non, je reviens, j'ai fait une largeur et une latéralité. D'accord ? On varie pas, c'est notre jeu. Allez, mettez dans la pile, allez. T'as trouvé une combinaison de l'autre côté, qu'on a trouvé Dembélé. Les gars, on les a quand même amenés sur un périmètre ici. Du coup, Dembélé, t'as fait juste un bon crochet et t'as mis la frappe super. Ça, j'apprécie. Ça prouve qu'il suffit d'être discipliné et d'avoir un peu ce truc. Vous êtes des footballeurs. On a vraiment été performants et en plus il y a 2 buts qu'on marque, qu'on avait travaillé, c'est extrêmement positif. Surtout beaucoup de générosité, c'est-à-dire que je sens que des garçons ont confiance parce qu'on essaye en plus de donner du temps de jeu vraiment à tout le monde. Donc un garçon qui est en confiance, plus l'apport de Samuel Mengele qui marque 2 buts quand même aujourd'hui dans un somptueux coup franc. Voilà, donc et puis des gamins qui courent autour, des gamins qui savent, qui commencent à savoir ce qu'ils ont à faire, qui font les efforts et sur certains buts, un peu de talent, il y a un peu de vivacité, il y a un peu de talent, il y a un peu de roublardise et donc voilà. Donc je pense qu'on peut être très satisfait sur l'aspect offensif.